Une pétition a été soumise à la Cour suprême de justice dans le but d'arrêter le Premier ministre Ehud Olmert ainsi que le chef du Shin Bet, Yuval Diskin. Le Comité public contre la torture en Israël ainsi que plusieurs organismes pour les droits de l'homme leur reprochent de n'avoir pas réagi et pas tenté de mettre fin aux tortures des détenus palestiniens par les forces de sécurité israéliennes malgré la décision de la Cour suprême en 1999. Ils demandent donc que le Premier ministre et le chef du Shin Bet soient incarcérés.